Votre perception dans les premiers résultats de cette transformation ? De l'inquiétude, vous êtes rassuré, vous avez un problème de lisibilité. Quelle est votre perception sur tous les chantiers qui sont engagés aujourd'hui par le CES ? Tous les chantiers. Alors, sur les chantiers, évidemment, l'un des gros chantiers qui pour moi était important là, ces derniers temps, c'est quand même le chantier numérique où on a une transformation digitale du CGOS. Ça, franchement, hein, avec des accès, des sites web améliorés, un peu plus design, un peu plus accessible, ça, c'est la grosse transformation qu'il y a sur la téléphonie, mais sur le digital. Enfin, ça, c'est la grosse transformation qui, par rapport à avant, faisait un CGOS un petit peu plus vieillot, qui était nécessaire. Mais là-dessus, évidemment, j'y reviendrai certainement à l'Assemblée générale du CGOS, évidemment, il faut partir, parce que c'est indispensable sur le numérique, sur le digital, mais il faut faire attention à ne pas aller trop vite et à brûler des étapes et à ne pas laisser de côté des agents qui sont un peu moins pointus, un peu moins, pas modernes, mais un peu moins, qui maîtrisent moins l'outil informatique. Vous parlez de la fameuse fracture numérique. Tout le monde n'est pas raccord avec les évolutions. Et ça, j'en parlerai un peu plus précisément à l'AG, parce que ça va être un des points que je développerai assez important quand j'aurai la parole. Deuxio, après, sur le reste de la transformation, pour l'instant, sur nos prestations, il n'y a pas eu non plus la révolution de nos fondamentaux. On a eu des adaptations. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on en a supprimé, hein, où FO d'ailleurs n'était pas d'accord. Hein, Force ouvrière que je représente n'était pas d'accord. Mais je dirais, ce qui m'inquiète plus aujourd'hui, c'est l'action sociale de demain. Qu'est-ce que le gouvernement, qui aujourd'hui, avec son projet de loi sur la transformation de la fonction publique, intègre l'action sociale et la protection sociale dans son loi. Et d'ailleurs, il l'a modifié encore hier, où il indique que l'action sociale doit être modernisée. Alors, c'est allusion à la fusion des fonctions publiques. Alors, ce n'est pas la fusion, c'est un texte de loi. C'est un projet du gouvernement, d'ailleurs. C'est le projet du gouvernement qui est discuté à l'Assemblée nationale, mais qui, dedans, reprend l'action sociale. Donc, ça va nous toucher, nous, CGOS, qui distribuons qui avons quasi le monopole de l'action sociale pour tous les hospitaliers, ça va forcément nous toucher. Parce que qu'est-ce qu'on entend par modernisation ? Alors, si on parle modernisation, je dirais c'est fait au CGOS, puisqu'on s'est digitalisé, etc. Mais eux, quand ils entendent modernisation, c'est est-ce qu'on va être encore sur 1,5% du salaire différé de la contribution ? Est-ce que ça va être une action sociale beaucoup plus centrée sur les groupements hospitaliers de territoire, sur qu'est-ce que va être l'action sociale. Enfin, moi, c'est ça qui m'interroge. Et c'est le danger. On manque de lisibilité dans ce qui va être vraiment des mesures qui vont être prises. On manque de lisibilité. Là, sur la prestation retraite, on l'a préservée. La prestation maladie, qui est aussi dans le collimateur, bon, on est en stand-by jusqu'à temps qu'il y ait une protection sociale dans la fonction publique. Qui a un relais. Voilà, qui a un relais. Mais pour l'instant, on vient de bouger la prestation retraite, qui ne sera d'ailleurs qu'applicable en 2020, hein, où on a eu consensus de toutes les organisations syndicales et de la FHF, hein, donc on peut s'en féliciter. Je crois qu'on a trouvé un bon compromis. Donc voilà. Mais sur cette transformation-là, je ne peux pas dire grand-chose parce que moi-même, il nous manque des éléments. Le ministère, d'ailleurs, la DGOS, doit nous convoquer pour reparler de l'action sociale, mais on n'a toujours pas de rendez-vous. Donc c'est un peu compliqué de dire la transformation, puisque on sera peut-être contraint des transformations, ou peut-être pas. Mais de toute façon, pour Force ouvrière, on ne va pas non plus vendre nos fondamentaux, parce que je veux rester sur quand même ce qui est pour nous l'action sociale, je dirais les secours, les gens en difficulté, et après évidemment la culture, les voyages, qu'on va certainement parler après. La thématique des vacances, je sais que c'est une thématique sur laquelle vous êtes extrêmement sensible. La notion du droit, les vacances comme un droit. Est-ce que vous considérez que c'est un droit qui est un peu mis à mal ? Je ne parle pas forcément par rapport aux agents hospitaliers, je parle globalement. Hein, si on fait un peu un voyage entre 36 et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cet objectif, c'est acquis ? C'est un acquis des luttes sociales. Est-ce qu'il est mis à mal aujourd'hui ? Ce droit de partir en vacances, pas d'être en vacances. On peut être en congé et rester chez soi. C'est vrai. Donc, sur ce que vous dites, les 36 sous le Front populaire, sous l'action des organisations syndicales, évidemment,
a été obligé de céder, parce qu'ils ont cédé à nous donner des congés payés, parce que je peux rien rappeler, même si ce n'est pas lié pour le CGES, que quand on a eu des congés, ils ont tous cru que les ouvriers allaient picoler, ils n'allaient pas revenir au travail au bout de 15 jours, parce que c'était que 15 jours au départ, et revenir. Je dis toujours, parce qu'à chaque fois qu'on a un acquis social qui arrive, les patronats disent toujours, on ne peut pas, c'est pas possible, on ferme la boîte. Après qu'on est à 5 semaines aujourd'hui, vous avez vu, le dividende se porte bien. Bon, sur ce, je ne vais pas rester là, je veux dire que... Au tout début, on a eu 15 jours, mais les 15 jours servaient surtout pour reposer les bras de la classe ouvrière. Récupérer. Pour récupérer, se faire un tempo, pour se dire voilà. Bon, d'ailleurs, beaucoup partaient en vacances dans la famille. Et ça n'a pas tellement changé. Ce qui a énormément changé, c'est que ceux qui ont un travail d'encadrement, je dirais, la catégorie la plus aisée, réussissent à faire de beaux voyages à l'étranger, etc. Ceux qui sont encore sur de la catégorie C, pour faire simple, hein, mais grosso modo, général, ou ne partent pas, ou s'ils partent, c'est court, ou s'ils partent, c'est beaucoup chez l'habitant, je dirais, c'est dans la famille, parce qu'on a un cousin, une cousine, un tonton qui est dans le sud ou qui est sur la Bretagne, etc. Mais moi, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à... Ça n'a pas changé. Pourquoi ? Parce que vous avez vu qu'on a quand même depuis un certain temps une pression sur les salaires. Donc quand on n'a pas de salaire, le CGES amène sa part, évidemment, mais elle n'est pas forcément suffisante pour que tout le monde puisse se dire « Allez, je réserve tout frais payé, tout frais compris, pour partir. » Alors, est-ce que le droit de partir en vacances reste un droit qui reste à conquérir ? Ben, c'est un droit au regard de ce que vous venez de dire, à savoir que on peut avoir des congés, mais si on n'a pas les moyens de partir, on reste à la maison ou on va chez un cousin ou chez une tante. Hein. Ben, pour moi, parce qu'on n'arrête pas de parler de progrès social et de modernité, la modernité, ce serait que quelqu'un qui travaille puisse quand même, par son activité, vivre correctement, mais aussi pouvoir partir en vacances. À un moment donné, se dire, je peux prendre au minimum 15 jours sur un lieu qu'il a décidé de partir, surtout avec ses enfants, parce qu'il y a aussi la famille qui est importante, de partir. Moi, je pense que ça, c'est vrai que c'est un droit à conquérir. Mais je ne suis pas sûr. Ça reste un droit à conquérir, parce que si vous faites une étude, il y a une famille, une famille sur deux qui part en vacances. Donc, il y en a encore 50% qui ne partent pas, grosso modo. Donc, automatiquement, il y a un droit à conquérir. Mais pour moi, ça doit être conquis ou par une action sociale de haut niveau ou par des salaires de haut niveau. Aujourd'hui, la contribution 1,5, pour moi, n'est pas suffisante puisque notre revendication, c'est 3%. Et les salaires, on voit bien qu'ils sont contraints dans la fonction publique hospitalière, mais dans toute la fonction publique, le point d'indice est gelé. Alors, votre collègue de la CGT que j'ai interrogé tout à l'heure, parler de l'hôpital comme une fabrique de pauvres. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Donc la majorité sont des smicards. Un smicard avec un poil de plus. Ouais, enfin, on a une obligation de ne pas être en dessous du smic dans l'hôpital, mais je dirais que c'est vrai que la majorité aujourd'hui dans les hôpitaux, il y a énormément de catégories C, hein, donc sont au smic, hein, quand même un peu au-dessus, mais qui ne permet plus, qui permet juste de, je dirais, c'est ce qu'on appelle la loi des reins, je ne sais pas si vous connaissez. La loi des reins qui dit on a juste de quoi manger, se loger, éduquer sa famille, et c'est tout. Un minima, voilà. Alors, ils seraient donc certainement encore plus nombreux, les Français qui ne partent pas en vacances en tout cas, si des associations à vocation sociale comme le CGES n'avaient pas développé des politiques intensives dans ce domaine. Mais est-ce que cet objectif est-il toujours une réalité avec le contexte de difficultés auquel est confronté le CGES aujourd'hui ? Est-ce que ça ne peut pas devenir une variable d'ajustement, en disant on ne touche pas aux études, vous savez que pour force horaire, on a des fondamentaux. Nous, vous savez, c'est la PEF, la prestation études éducation formation, hein, qui est pour moi l'émancipation de la classe ouvrière, c'est-à-dire on aide les familles les plus modestes à les aider à ce que leurs enfants puissent faire des études et des grandes études. Et là, parfois, on aide fortement parce qu'il y a le logement à payer, etc. Il y a un moment donné, il faut savoir vers quoi on veut gérer. Est-ce que il vaut mieux aider plus les vacances que la prestation études éducation formation ou la billetterie, la culture, qui est aussi importante. Donc, à un moment donné, s'il y a des choix à faire sur la politique sociale, évidemment qu'il faudra se poser les questions. Mais moi, sur les vacances, je suis très porté sur les vacances qu'on appelle les solutions mini, solutions vertes, où on met un maximum sur ce qu'on peut. Les séjours fortement subventionnés. Voilà, fortement subventionnés. Parce que aller subventionner un séjour aux États-Unis qui reste à charge plus de 2000 euros, ça pose question, évidemment, sur la situation de l'agent. Je ne dis pas qu'on ne doit pas leur trouver des prix intéressants et ne pas faire quelque chose, ce n'est pas mon propos. Mais évidemment que ce n'est pas vers
ces personnes qu'on va développer. Orienter les moyens vers ceux et celles qui en ont le plus besoin. Bah, voilà, qui pourrait devenir un droit de partir en vacances. Alors, quelles seraient les dispositions à prendre? Alors, vos deux collègues, partaient du principe qu'ils ne faisaient pas de distinguo, que les vacances ou le loisir sont des prestations sociales. Ils ont souvent tendance à faire le distinguo en disant il y a celles qui sont connotées sociales, qui sont socialement connotées de façon très forte, comme les études, la retraite, la maladie, et que les autres, le loisir, les vacances, ce serait presque la cerise sur le gâteau. Ils disent non, pour nous, c'est aussi important que le reste. Non, mais moi, je pense que c'est important. Comme parce qu'on n'a pas tout à fait la même lecture avec notre collègue qui est passé avant moi, avec Bruno, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que si vous payez des vacances, mais que derrière la classe ouvrière, que les agents ne peuvent pas aider leurs enfants pour faire des études, ça me pose problème. Et si parfois ils n'arrivent pas à manger, ça pose encore plus de problèmes. Parce qu'on va les emmener en vacances, et puis derrière après, ils ne peuvent plus bouffer. Pour faire un peu tribun. Mais c'est pour ça. Donc moi, je pense qu'il faut un bon équilibre. Moi, c'est l'équilibre que je cherche. Moi, aujourd'hui, ce qu'on fait pour les vacances, pour le CGES, je veux bien c'est grosso 16, 17, 18 millions d'euros. Moi, je veux bien qu'on... C'est un peu cette direction qui a été prise là, pour le catalogue qui va arriver. C'est-à-dire qu'on oriente vers les petits QF, avec les différentes formules de séjour dont vous avez fait allusion. Et pour les autres, ceux qui ont peut-être les moyens de partir plus souvent, on leur offre un catalogue sur lequel on va négocier des réductions avec un certain nombre de prestataires voyagistes. Et on peut-être aussi contribuer modestement au financement, mais toute proportion gardée, sachant que notre priorité, elle reste vers les petits QF, donc vers les familles les plus nécessiteuses. Vous partagez cette option? Bien sûr. Celle-là, c'est votre option. C'est pour ça qu'on dit, des vacances, si on veut que ce soit une action sociale, il faut que ce soit lié à un coefficient social, à un coefficient... un quotient familial. Voilà. Ça, évidemment. Ce qui serait dangereux, c'est de trop participer sur des voyages que moi j'appelle ostentatoires. D'accord. Voilà. Parce que ça, si on avait une contribution à 3%, peut-être. Mais comme la contribution est contrainte, ben voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et puis il faut aller en direction de nos collègues qui n'ont pas eu la chance de faire des études, qui ont été dans une famille modeste et qui n'ont pas pu s'élever forcément dans la hiérarchie. Des métiers. Alors, c'est bien entendu. Alors, deux dernières questions. Quelles seraient les dispositions à prendre aujourd'hui pour garantir un minimum que ce secteur puisse continuer à exister, à se développer peut-être vers la population sur laquelle vous êtes extrêmement sensible, c'est-à-dire les petits quotients familiales, les petits salaires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour garantir dans la durée que ces prestations ne subissent pas justement ces variables d'ajustement? Là, aujourd'hui, est-ce que vous me demandez, aujourd'hui, on a sanctuarisé quand même le budget vacances. Mais pour combien de temps? Voilà, on a sanctuarisé. Mais il ne sera touché que si demain le gouvernement nous dit vous n'avez plus 1,5%. Ou si les établissements nous disent demain on ne veut plus adhérer au CGES, par exemple, parce que nous, ça ne nous convient pas. On veut... Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on gadgetise beaucoup des choses. Demain, c'est l'ubérisation de la société, où chacun peut avoir son logement, où tout marche par Internet, où on ne fait plus attention à tout. On est dans une modernité à l'extrême, mais dans l'instantanéité aussi de toutes les prestations. Et ça, c'est le danger. Mais moi, si on touche pas si demain le gouvernement ne touche pas notre salaire différé, je ne vois pas en quoi on toucherait aux vacances. Même FO n'ira pas pour dire. Et là, il y a une unanimité parmi les composantes. Oui, il y a une unanimité. Oui. S'il y a danger, il peut venir que de l'extérieur. Oui. Bah pour moi, aujourd'hui, ça ne sera pas en intérieur que ça va exploser. Ça explosera parce qu'on nous dira, demain, c'est plus 1,5. C'est un peu ce qu'a dit la Cour des comptes. On pourrait remettre à 0,8. Et si on est à 0,8, là, il y aura grosse bataille. Mais il ne sera pas qu'en danger les vacances. Sera en danger aussi la prestation maladie, sera la prestation retraite, encore une fois de nouveau peut-être. Et la PEF, qui est pour nous quand même l'ADN du CGES. Parce que c'est vrai que c'est la deuxième prestation après la maladie en termes de montant. C'est 85 millions d'euros aujourd'hui. La maladie, c'est un quart du budget. Voilà, et après vous avez la prestation études, éducation, formation. Et après, c'est les vacances, la billetterie. C'est un peu moins de la moitié du budget, en gros. Voilà, les c'est deux. Ça. C'est pas rien. Si on ne touche pas notre contribution, je ne vois pas en quoi les composantes iraient bouger les vacances. Alors, je sais qu'il y a un sujet qui vous agace, mais on va l'aborder. C'était la question des chèques vacances. On a aujourd'hui au CGES à peu près 90 000 agents qui utilisent cette formule de vacances. Alors, je le rappelle, hein, c'est le
T'as un contrat, l'agent abonde, le CJOS abonde, alors toujours par rapport aux questions familiales. Donc, bien sûr, normalement, ça devrait vous satisfaire, puisque vous expliquer la dimension sociale, elle est très forte. Je sais que vous l'avez dit, mais vous allez peut-être leur dire, là. 90 000, ce n'est pas rien. C'est un choix de vacances, assez souple. Pour le chèque vacances, c'est pas qu'on est contre le chèque vacances, parce que la hauteur à laquelle il est distribué aujourd'hui, je dirais, nous va. Cependant, 12 millions d'euros par an. Le tout chèque, ça commence à m'agacer fortement. Parce qu'on fait du chèque culture pendant les régions, on fait du chèque vacances. Si demain l'action sociale, on le résume, vous savez, le CESU. Vous mettez le CESU au même niveau ? Le CESU, c'est du chèque aussi, c'est encore du chèque. Oui. Si demain je fais un raccourci, mais à peine, demain le CGES, il n'a plus lieu d'exister. Vous me faites une action sociale de chèque, et moi je dirais, prenez 360 millions d'euros divisé par 1 million, faites un chèque de 360 euros à chaque agent, par chaque fois qu'il va en action sociale. Voilà. Sauf que pour moi, l'action sociale, c'est du sur-mesure et c'est pas du prêt-à-porter. Et le chèque vacances, c'est du prêt-à-porter. Alors qu'on en fasse un peu pour se moderniser, comme vous dites parfois, ou dire il faut se mettre au goût du jour, il y a le chèque, c'est pas mal, il y a une liberté. Répondre à la demande. Il y a une liberté qui est donnée de faire ce qu'on veut avec ses chèques, etc. Moi, je suis assez frileux là-dessus, parce que le tout chèque, c'est faire, il n'y a pas besoin de s'appeler le CGOS, prenez n'importe quel prestataire, puis à vous distribuer du chèque. Hein, je veux dire, demain, hop, je ne sais plus, la Endered, fait. Hein. Et il n'y a pas besoin d'avoir une boutique comme le CGOS, une association à but non lucratif qu'est la nôtre, hein, qui est fait par le paritarisme, parce que là, vous dites, bah, vous redistribuez, quoi. C'est du salaire, et puis vous faites ce que vous voulez. Donc, attention, danger. Donc, attention. En plus, le chèque, parfois, donc, il est existe, mais voilà. Ça doit rester marginal voilà. Dans nos processus d'action. Regardez le chèque vacances. C'est le chèque vacances, mais finalement, vous pouvez quand même manger au restaurant, vous pouvez quand même payer du cinéma, vous pouvez parfois dévoyer à faire du vêtement. Enfin, ça m'agace un peu, parce que finalement, l'objectif de dire c'est pour partir en vacances, c'est parfois pour aller au restaurant. J'ai rien contre ça, mais on voit bien que à l'origine, c'était pour voilà, bon, faire du chèque. Parfois, on a une réduction avec le chèque vacances, donc qu'on en fasse un peu, ok, mais que si ça devient que du chèque, c'est un peu nous enlever l'émission de ce qu'on fait par coefficient aussi, et puis voir un peu quand même la composition de la famille, les difficultés, et faire du voyage très subventionné sur une destination qui ne sera plus possible avec le chèque vacances.